Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Delta TV. On est ici sur le site de l'Arsenal. On va d'ailleurs visiter tous les coins de ce site gravelinois pendant ce JT jeudi 10 juillet 2014. Voici les titres de votre journal de l'été. L'emploi peut être menacé à Gravelines. Avocats et syndicats d'Euro-Aspartam ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'avenir de leur entreprise. Point sur la situation dans cette édition. L'été, lui, a du mal à montrer son vrai visage en ce moment au niveau de la météo. L'inauguration du kiosque à plage tente de redonner le moral. L'association Rêve, elle, organisait ce week-end l'une de ses journées récréatives. L'objectif, sortir les enfants gravement malades de leur quotidien à l'hôpital. On continuera ce journal de l'été avec des idées sorties. Tout d'abord du côté de la plage de Petit Fort Philippe. Pour rester en forme, des cours de Zumba sont à votre disposition. Du côté de Bourbourg, le SIAC, lui, vous propose des pique-niques de l'art. Tout est dans le titre, on découvrira ça dans ce journal. Enfin, on parlera de basket et du BCM en fin de JT. Les Maritimes ont dévoilé leur programme de préparation avant la reprise de la saison. On commence donc ce journal en ouvrant la page sociale. Ce mercredi, le personnel d'Aspartam Ajinomoto Gravelines s'est réuni à la maison des associations. Autour de l'intersyndicale CGT-CFDT de leur avocat Maître Brun, ils ont fait le point sur leur avenir qui pourrait s'assombrir. Patrice Bernard. L'avenir d'Euro-Aspartam, la filiale d'Ajinomoto, est incertain. Après l'annonce de la vente du site en avril dernier, les 104 salariés sont inquiets. Le seul éventuel repreneur considère que l'entreprise n'est pas intéressante. Cette semaine, il y a une entreprise de Chine qui est venue, le groupe Shanmao. Ils ont visité le site, ils ont rencontré les élus locaux et ils vont réfléchir pour voir s'ils vont faire une offre. Mais ils ont dit que ça serait très difficile de reprendre le site et de devenir rentable, malgré des matières premières moins chères en Chine. Du côté de la possibilité de reconversion du site, la situation n'est pas simple non plus. On pense qu'une reconversion est possible, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas eu d'études de fait. Et Samia Buzin, adjointe à Montebourg, a refusé de faire cette étude. La solution qui reste la plus envisageable pour les salariés est de reprendre l'entreprise sous forme d'une coopérative ouvrière, une SCOP, à l'image de ce qui a été réalisé avec Cifrance. L'entreprise japonaise est prête à faire un geste, mais pas à céder sa liste de clients. La démarche du groupe japonais est intéressante puisqu'il applique une loi que François Hollande n'a pas réussi à faire voter, donc la loi Florange. Il est prêt à céder à une coopérative ouvrière. Nous, on est prêt à travailler à une coopérative ouvrière, mais à condition qu'on ne nous cède pas simplement les bâtiments et l'outil industriel parce qu'on n'en fera rien. Ça ne sert à rien. Si on n'a pas nos clients, ce n'est pas possible. Les négociations vont se poursuivre. En cas de refus, les repreneurs ont jusqu'au 25 novembre pour se manifester. Passé ce délai, la fermeture paraît inévitable. Ça ne vous a pas échappé, en ce moment il fait un temps exécrable sur les rives de l'Aa. Et bien pour combattre ce signe indien, on a peut-être trouvé la solution, l'inauguration du kiosque à Touville de la plage de Petit Fort Philippe, histoire de retrouver au plus vite les températures de juin. Patrice Bernard. Le kiosque plage d'Atouville a été inauguré. Comme chaque année, ce kiosque propose une multitude d'activités pour la famille, du mardi au samedi, de 13h30 à 18h30. Ce kiosque va vous permettre de découvrir des activités telles que la sculpture sur polystyrène, gravure sur verre, art floral, il y a aussi de la carte 3D, des perles à repasser, les derniers types de bracelets à la mode. Et on a mis cette année en plus les jeudis famille. C'est les jeudis où on va faire des activités qui sont sur la ville de Gravelines. Donc base nautique, on aura le char à voile, bouée tractée, kayak, paddle, on aura une journée sur le parc de l'Aa, de l'acrobranche, etc. De nouvelles activités sont aussi proposées par une animatrice bénévole d'origine cubaine qui apporte un peu de sa culture et de la chaleur de son pays. J'anime des ateliers de création, tout ce que c'est l'art plastique. On travaille avec du polystyrène, du carton, du papier, des recyclages. On fait aussi des ateliers de peinture et dessin. On fait aussi des ateliers de théâtre, expression corporelle. On fait des ateliers de danse, on va danser un peu de salsa. Les activités artistiques comme la salsa et le théâtre donneront lieu à de petits spectacles qui se dérouleront lors des deux soirées barbecue de cet été. Toutes les activités du kiosque à Touville sont gratuites et ouvertes à toute la population et aux vacanciers. Il suffit de venir en famille, c'est-à-dire un enfant accompagné d'un parent, d'un grand-parent ou même d'un oncle ou d'une tante. Un moyen convivial de partager de bons moments en famille et de mieux se connaître. Et du soleil, il y en avait le week-end dernier, il était dans le cœur des enfants gravement malades. Grâce à l'association Rêve, ils ont eu droit à une grosse bouffée d'air frais en famille à Gravelines.
Et le rendez-vous se situe au centre équestre de Gravelines. Ici, pendant toute la journée de samedi, les familles se sont succédées sur les différentes activités mises en place par l'association Rêve. C'est une journée récréative qui a pour but donc de rassembler les parents et les enfants autour d'une journée pendant laquelle ils peuvent se détendre et penser à autre chose qu'à la maladie. En fait. Les enfants ont donc pu faire du cheval, conduire un karting, essayer un buggy, profiter des installations gonflables. Le stand à succès, lui, c'est l'acrobranche. Baudrier et casque ont fait des heureux toute la journée. Chute, c'est l'heure du briefing. Owen, lui, est déjà sur la structure. Les ponts de singes s'enchaînent sous les yeux de sa maman. Owen avoue quand même avoir le trac. Ouais, c'était pas mal, même si j'ai eu un petit peu le trac par rapport à mon poids. Et j'ai eu un traumatisme avec l'élastique qui m'a fouetté tout à l'heure, donc j'ai hésité à sauter en fait. Et il finira son parcours par une descente en tyrolienne. Les parents sont omniprésents dans les activités de leurs enfants et en profitent également pour échanger avec les autres familles présentes. On a deux ou trois journées récréatives, ça permet aux parents de se retrouver puis de voir que d'autres enfants vont beaucoup mieux et puis ben, ça leur donne le moral pour le leur. On veut leur les influencer un petit peu dans le positif. On voudrait que ça soit pour eux quelque chose de positif. La journée, elle, a été bien remplie. Les enfants repartiront avec des souvenirs plein la tête. Allez, les idées sorties maintenant dans ce journal avant de partir à Bourbourg ou encore sur la plage de Petit Fort Philippe. Vous pouvez venir ici dans la salle du Pilier sous le site de l'Arsenal. Direction donc la plage de Petit Fort Philippe. Patrice Bernard s'est essayé à la Zumba démonstration. Inventée en 1990 par un Colombien, la Zumba, une activité qui combine l'aérobic et la danse, est devenue très populaire dans le monde depuis quelques années. Actuellement, plus de 12 millions de personnes participeraient hebdomadairement à un cours de Zumba dans plus de 125 pays. À Petit Fort Philippe, des cours de Zumba sont proposés gratuitement sur la plage. C'est du fitness, mais tout en s'amusant. Donc c'est sur des rythmes latinos, danse latine, salsa, merengue, bachata. C'est des rythmes du soleil, quoi. Ça permet de faire du sport parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément sportifs et grâce à la Zumba, voilà, ils se sont mis au sport, quoi. Pour les plus de 12 ans, la Zumba se déroule de 18h à 18h45 les mardis et jeudis. Les plus jeunes ont leur cours les mercredis, de 10h30 à 11h15 pour les 4-7 ans et de 11h15 à midi pour les 8-12 ans. On peut également pratiquer du stretching et deux nouveautés apparaissent cette année, le piloxing et le kanga style. Le mardi matin, donc c'est un cours de stretching, donc c'est des étirements, etc. Le mercredi soir, c'est un cours de piloxing, donc c'est un nouveau concept qui est apparu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est, ça s'appelle le piloxing, donc c'est à base de boxe, de pilates et de danse. Donc c'est un mix des trois et voilà, c'est à 18h aussi le mercredi. Ensuite le jeudi matin, c'est le cours de kanga style, donc c'est une nouveauté aussi, c'est chacun son trampoline. Donc il y a une chorégraphie, il y a une partie cardio, une partie renforcement musculaire et après un stretching, quoi. Pour plus de renseignements, rendez-vous au kiosque de la plage de Petit Fort Philippe. Allez, direction Bourbourg et le SIAC maintenant dans ce journal. Bonjour mesdames, le SIAC, c'est le Centre d'interprétation d'art et de culture. Il nous invite à un pique-nique pas comme les autres. Virginie Hoffmann et Patrice Bernard se sont glissés parmi les convives. Tu vois, on parlait d'église avec Anthony Caro aussi. Mais tu as là, il y a l'abbaye de Conques qui est très connue aussi, où il y a un autre artiste qui est intervenu qui s'appelle Pierre Soulages. Ils ont fait appel comme ça à un artiste contemporain pour refaire l'ensemble des vitraux, justement pour donner un cachet supplémentaire en fait à ce lieu. Donc c'est devenu un lieu de pèlerinage, on va dire, artistique, puisque beaucoup de personnes se déplacent pour aller découvrir ça. Déjeuner tout en échangeant sur l'actualité culturelle, c'est ce que propose le SIAC de Bourbourg avec les pique-niques de l'art. Un rendez-vous avec toujours une nouvelle thématique. Par exemple, aujourd'hui, on est parti en fait d'œuvres, de spectacles ou d'événements dans des lieux insolites. Et à partir justement du vécu, de choses qu'on a pu voir et de choses qu'on voit aujourd'hui, voilà, c'est d'échanger un peu sur les expériences des uns et des autres et de nourrir justement l'échange et le dialogue. Elle nous a montré des œuvres de l'église, elle nous a dit qui est-ce qui les a fait. Et on a parlé des choses qu'on a fait nous, où est-ce qu'on est allé, donc c'était un bon moment. C'était intéressant, oui. Et puis j'aime bien faire découvrir à mes petits-enfants, pour les éveiller à l'art, à tout ce qu'on voit autour de nous, quoi.
c'est ce que j'aime bien. Dans les prochains pique-niques de l'art seront évoqués l'art dans l'espace public et le passé culturel de Bourbourg. Un beau programme en perspective auquel vous convie le SIAC. Il ne vous reste plus qu'à apporter votre panier repas. Allez, on termine ce journal ici, dans un endroit mystique, sous le site de l'Arsenal, c'est le Four à Pain. Nous, on va parler de basket et du BCM. Les Maritimes préparent activement leur saison 2014-2015. Ils ont d'ailleurs dévoilé leur programme de préparation avec de nombreux matchs au programme. On fait le point. On connaît le programme de la préparation du BCM. Les Maritimes ont 11 rencontres de programmées pour préparer la nouvelle saison. Ça commencera le 23 août prochain à Châlons-Reims face aux nouveaux pensionnaires de Proa. Pour finir en Allemagne, à Bonn, dans un tournoi à 4 avec notamment la présence du Bayern de Munich. Une montée en puissance qui passera par Saint-Paul-sur-Mer le 26 août contre Orléans et les 12 et 13 septembre avec la deuxième édition de la DLSI Cup à Sportica. Les joueurs, eux, de leur côté, démarreront leur saison avec des tests physiques le 4 août prochain. D'ici là, le BCM aura sûrement fait signer ses 3 Américains pour conclure son recrutement. Et on suivra bien évidemment les résultats des Maritimes pendant les rencontres de préparation. Tout de suite, c'est Michel Vierre qui arrive sur Delta TV avec l'agenda de l'été. Le journal, lui, il revient dès mardi sur votre chaîne. Passez une excellente soirée. Au revoir.